Hello tout le monde, c'est Sibobo et on se retrouve pour la suite de Pitch Showtime. Donc voilà, la dernière fois, on avait complètement clean cet étage-là, c'est-à-dire le troisième. Et là, on va aller au quatrième étage, qui est le dernier. Voilà, il y aura du coup les quatre dernières transformations. On n'a pas encore fait les deuxième et troisième niveaux. Et puis même, on nous l'avait dit que c'était le dernier étage. Ouh, c'était fatigant toutes ces marches. Ok. Alors là, c'est Super Héros juste là-bas avec le pulse et Kung Fu, patineuse et sirène. Bon, et écoutez, on va commencer par patineuse. Voilà. J'ai envie de voir ce que ça va donner, ça. Une parade sur la glace. Ok. Parce que le premier niveau était vachement stylé, vachement cool. Kung Fu, je pense qu'on le fera en dernier parce que, si je ne me trompe pas, en fait, c'est la dernière transformation... qu'on a eu en fait, enfin c'est le dernier premier niveau d'une transformation qu'on a eu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on le fera en dernier dans cet étage, voilà je pense. Let's go. Oui, ah, attendez, on peut faire ça, ouais. Oh, ok, il se passe quoi là? Oui. Hey, toi, descends de notre char. Ouais, admirer. J'aime bien ces petits ennemis. Ok, let's go. Hop. Magnifique. Hop là. Let's go. Voilà, bon. Il n'y a rien de compliqué. Et première étoile. Merci. On recommence la parade. Ok. D'accord. J'avais que ça à faire, ils attendent avec impatience notre spectacle sur la scène principale. Ouais. Place au divertissement. Ah d'accord, ah c'est un scrolling mais... Ok. Ok d'accord. Normalement j'ai rien loupé parce que en fait, à peine j'ai commencé, direct ça m'a mis une... Ce char est à nous. Direct ça m'a mis une cinématique en fait. Hop là, let's go. Magnifique. Ah, en tapant ça. Ah non, je pensais que ça allait tuer automatiquement eux. Ok, nice. Oh, j'avais trop peur de la louper l'étoile là. Non mais du coup ça va. Patinons ensemble, bah oui. Non franchement ça c'est très stylé. C'est pas compliqué du tout. Mais ah ok, il faut que... Ok, attendez, il faut que je les fasse tourner. D'accord. Quand elles sont arrêtées et qu'il y a la lumière sur elles, il faut que je tourne vers elles pour récupérer les petits fragments d'étoiles. J'avais pas capté, excusez-moi. Ok, du coup, en fait, c'est ici. Voilà, en fait, quand il y a la lumière sur elles, il faut que je... Voilà. En fait, que j'aille tourbillonner vers elle. Ah, j'en ai loupé une. C'est une blague. Mais il me semble que j'ai une deuxième chance. Ouais. Ok, nice. Let's go. Voilà. Le premier niveau de ça était vraiment pas long du tout. Je me souviens parce qu'on a, du coup, on avait fait un deuxième niveau avec. Ok. Let's go. Ah, bah j'ai sauvé lui. Ah, bah d'accord. Nice. Écoutez. Mais ouais, en fait, là, le premier niveau de ça, c'était vraiment pas long du tout. Et puis, ok. Ouh, les quatre d'un coup. Let's go. Hein, magnifique. On va leur sortir le grand show. Ok. Ouais, là, il me manque déjà plus que 3. On est déjà à plus de la moitié. Normalement, c'était pas long du tout. Donc, on avait fait un deuxième niveau en même temps. Bah, c'était le... premier niveau d'inspecteur. Passons au final. Oui, c'est déjà quasiment fini. C'est abusé. Non, franchement, c'est rapide, mais c'est stylé et intense. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Évidemment. Ah, bah le retour de lui. Désolé de vous avoir fait attendre. Je dois me mettre... Je me dois de mettre fin à cette parade. Ha 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 ha. Ouais. Non, pourquoi gâcher ainsi la parade? Que peut-on faire? On est encore venu tout gâcher. Peach, donne-lui une bonne leçon. Bah oui. Mais avant,
Ça, je l'ai remarqué avant que je puisse commencer à bouger. Les petites étoiles par terre, je me suis dit, là, il va y avoir un truc. J'en étais sûr. Ok. Let's go. Hop là. Et en plus pour une étoile. C'était que des pièces. Ouais, si c'est que pour des pièces, moi je m'en fous. Mais là. Ouais, je peux pas aller plus loin là. Ok. Vraiment que pour des pièces, je m'en fous. Mais par contre pour une étoile, non, 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 on fout pas. Et puis elle arrive à monter en patin. Ok. Il fait toujours des dabs, ça me fume. Et voici le final, le vrai final. Admire mes pirouettes vertigineuses, ouais. Ouais. Aïe. La blague. Ok. Oh, let's go. Ok. Let's go. Ok. Ah mince. Après, il les récupère juste, hein. C'est tout. Ok. Voilà, je dois le choper quand il est étourdi. Let's go. Non, franchement, c'est stylé. Franchement, c'est vraiment stylé. Ok. Une, deux, trois. Ok, c'est bon. J'en ai plus que deux à avoir. J'ai plus que deux à récupérer là. Ok. What? J'ai réussi à le choper pendant qu'il tournait? C'est quoi ce délire? Ok. Ah, l'autre était dans le coin. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Juste, en vrai, j'ai juste à spammer B et je le chope, hein, c'est tout. Ok, let's go. J'ai eu si peur. Hein, mais c'est impossible. Si. Allez, le final. Hop là. Faut l'encercler, c'est ça? Comme l'autre fois? Ouais, c'est bien ça. Déjà, l'autre fois, on l'avait encerclé. C'est éblouissant. C'est stylé. Franchement, c'est stylé. Ah, puis là, franchement, récupérer. En fait, automatiquement, la dernière étoile. Vraiment, pour le. On va dire la cinématique finale. C'est super stylé aussi. Ok. Eh ben écoutez, on a déjà terminé. Waouh! Je vous ai dit, ça c'est relativement rapide, hein, vraiment. Là, ça fait même pas 10 minutes que je tourne et j'ai déjà fini ça. Bon, voilà. Mais écoutez, voilà. Dans tous les cas, bah, on va se faire le niveau 3, là, de Peach Patineuse. Voilà. J'imagine que le boss de cet étage, ça va être Dame Syrah. C'est-à-dire le boss final, hein, je pense. Ok. Et puis, je me suis fait spoiler un truc aussi. En fait, vous voyez, là, il y a 4 niveaux par étage, plus un niveau de boss. Et en fait, moi, je me suis fait spoiler qu'il y avait un sixième niveau par étage. Par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je sais, j'ai pas regardé les niveaux et tout, mais j'ai vu qu'en fait, il y en avait un sixième. Et puis, en fait, je ne sais pas si c'est... comment dire? Ah non, attendez, c'est pas ici. Ok. Je sais pas si c'est des niveaux experts ou vraiment j'en sais rien. Ok, c'est ça. Glace sombre et quoi? Mince, j'ai pas vu. Je regarde pas les. En fait, je zappe tout le temps de regarder les titres des niveaux là, comme ça, ici. Et puis, ils s'affichent pas là sur l'écran de chargement. Alors que les autres, si, ils s'affichent. Mais écoutez, voilà, je me suis fait un petit peu spoil qu'il y avait un niveau de plus par étage. Voilà, je sais pas si c'est des niveaux experts ou pas. Et je sais pas non plus comment on les débloque et tout. Enfin, bref. Ça, on verra plus tard. Pour le moment, on se contente de faire les étages. Voilà, évidemment, il fallait qu'ils soient là aussi. Bah oui. Du coup, c'est quoi le titre? Glace sombre et scène obscure. Ok. Let's go. Non, franchement, ces niveaux-là sont vraiment très stylés. Aïe, aïe, aïe! Oh là là. Ok, hop. Ah, je peux tomber dans le vide, ok. C'est bon, j'avais pas percuté. Ah, par contre, je prends cher un peu quand même, hein. Un petit peu. Ok, faut pas que je leur fonce dessus quand ils tourbillonnent en fait. Enfin, que je tourbillonne quand ils tourbillonnent.
ça que je veux dire. Hop là. Ok, let's go. J'ai déjà plus qu'un PV. Je prends un peu cher, hein, mais c'est parce que je me précipite. Ok, voilà. C'est ça que je voulais faire. Ok. Ok, ok, ok. Let's go. Hop là. Bim. Let's go. Magnifique. Bon là ça va être encore plus rapide parce qu'il n'y a que 5 étoiles et c'est beaucoup plus court, hein. Ok, non là il n'y a rien. Eh ben écoutez, on va aller là-dedans. Donc on a eu les deux premières étoiles plus le ruban là. Oui, regarde, c'est étincelliste. Nous allons te sauver. Ma chère Stella, tu es là pour moi. Bah oui. Évidemment. Sauf que là, c'est pas Stella, c'est Peach. Même si c'est Stella qui a parlé. Mais le doublage de ce mec là, quand il rigole, ça me fait rire. Hein. Bienvenue. Wouhou! Es-tu venu voir mon plus beau numéro ou alors? Es-tu venu tout gâcher comme cet étincelliste? En fait, c'est que des. On va dire des combats de boss contre lui. Après là, ça a l'air d'être assez différent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai raté mon atterrissage. Ouais! Let's go. Pouvoir sombrer et faiblir. Ouais. Ok, let's go. Ah, et ça enlève des cristaux là-bas, là. Vers l'étincelliste. Ok. Nice. Oh, la blague. J'ai appuyé sur le bouton pour faire taper la pause sans faire exprès. Évidemment, je vais pas taper la pause alors qu'il y a des. Il y a plein de trucs, des gros rochers qui me tombent dessus là. Ok, let's go. Bim. Voilà, ça enlève les cristaux. Bien joué. Ok. Ok. Ta grâce est émouvante. Ouais. Mais c'était pas le. Non, mais c'était pas le final. Impossible. Il va y avoir une suite. Je ne sais comment te remercier de ton aide. Ouais, puis si on me redonne un cœur, oui. Nous partageons la scène un jour ou l'autre. Ok. Ouais, il y a un troisième combat contre l'autre là. Champonneuse, si tu veux bien. Oui. Je pense qu'on peut sortir par là. Ouais. Et après, ouais, il y a encore un truc. Ok. Nice. Notre spectacle commence maintenant. Ouais. Continuons sur cette belle lancée. Mais du coup là on s'en sortira. Travailler en équipe machin. Ouais, ok. Ah ouais, mais non, attends, attends, il faut que je. Ouais, ok. Ok. Ok, nice. Bah, je pensais que je pouvais aller dessus en fait. Mais non. Ok. Hop là, magnifique. Ok. Ouh, magnifique. Ok, ça va, j'ai pas loupé d'étoiles normalement. Je dis bien normalement. Ok, nice. Ok, puis j'ai 3 PV, donc ça va. Non, franchement, c'est cool. Non. Ah non, ok, c'est bon. Ouh. L'autre, elle s'est coincée. Waouh. Oh, je me suis fait déglinguer. Et puis l'autre aussi. Elle, là, elle s'est fait... elle s'est fait complètement coincée. Mais du coup, là, le... L'étoile, j'ai pas besoin de la récupérer. Non, c'est bon. Mais j'aimerais bien savoir comment... Attendez. Ok. Ah oui, voilà. Comment on s'en sort quand on va chercher l'étoile, en fait. Ouais, fallait juste... Ok, attendez. D'accord, ok. J'ai compris. Si l'étincelliste, elle se fait coincer, en fait, moi, je suis dead. Et ça paraît logique, au final. Mais je tourne pour tourner avec l'étincelliste et ça veut pas. Je comprends pas pourquoi, là, en fait.
Ok, ah voilà. C'est l'heure du grand final. Ok, ouais, on s'en fout des ennemis en fait. Ok, triple saut. 1, 2 et 3, ouais, c'est triple saut. Made in Mario. Ok. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, c'était pas long, c'était pas... Ce niveau-là était un peu plus dur que les autres quand même. Ouais, surtout la fuite, là en fait. C'est-à-dire après le, la section, toute la section après le boss. Ça, c'était plus compliqué. Mais ça va. Mais franchement, je vous jure, les niveaux de patins, là, de pitch patinous, oh, c'est incroyable ça. Je vous jure, je pense que ça fait partie de mes transformations préférées de ce jeu, hein, parmi les 10. Honnêtement, je vous jure, c'est juste insane. Et écoutez, voilà, le 7ème étincelliste, si je me trompe pas. Parce que c'est la première porte du dernier étage, donc il reste 3 portes. Donc il en reste 3 étincellistes. Voilà. Eh ben écoutez, c'est super nice. On va juste retourner à l'étage et aller dans la boutique. Là, vu que ça fait pas hyper longtemps là que qu'on est dessus, on va aller voir s'il y a des nouveaux trucs dans la boutique. Parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de pièces. Donc écoutez, si on peut dépenser, ce serait pas mal. Enfin, ça sert à ça. C'est surtout ça, en fait. Ok, ah oui, il y a des trucs. Ok. Ok, let's go. Robe spéciale quoi? Voleuse, ok, patineuse. Ok. Oh, celle-là elle est pas mal en vrai. Il y a un petit contraste un peu sombre là. Franchement c'était pas mal. Détective, non. Robe l'humilion. D'accord. Ok. Eh bah écoutez, là j'ai tout eu. Et puis là aussi. Bon bah écoutez, voilà, j'avais rien d'autre à acheter, donc c'est nice. Et puis écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Donc la prochaine fois, eh ben on continuera avec, je sais pas quelle transformation encore, hein, au dernier étage, je sais pas, on verra ça. Et puis écoutez, voilà, c'est ça qui est ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, partez au mien, et je vous dis à bientôt, ciao.